Monsieur Joël, quel est l'enjeu de ce match? C'est très simple, Yas, il perd par 4 buts d'écart, il doit me filer 200 balles! Ouh, j'ai cru! Et là, Yas, t'es en train de perdre combien là? 3-0, mais je suis en train de travailler là, attends. Mon royaume! Mais non! Hugo, tu penses que Yas y perd ou pas? Mais Yas il va se faire. Moi j'y crois. Non, c'est un trou du cul. À 5-0, je dis même. Oh non. Pitié. Non. Tout pour le divertissement. Faut absolument qu'il prenne un but, Yas. Tu t'es, mon gars, je vais gagner ce match. Y'a pas plus dangereux sur FIFA, je te l'ai dit, qu'un mec qui a de l'espoir. J'ai de l'espoir maintenant, mon pote. T'es 200 balles, de quoi? T'allais prendre quoi? Pitié. 200 cheesecake, c'est ça que t'allais prendre? Sale fou. Quand il va mettre un but tout de suite, tu vas voir. Ça va, Joël? Le bug de l'engagement. J'ai mon gars. Hors jeu? Ah non, non, non. Allez, rapide. Ah, c'est payé. Oh, il va faire mal, Attends, mais c'est le but d'écart. Oui, il reste encore un but là, c'est tout. Oh putain, curieux ce que je viens de faire là. Oh putain. Mais sans nous, lui. Non, mais sans nous. Mais tu te rends compte de la chatte que t'as? Eh, les habitants de la Black Room, ils sont dégoûtés. Putain. Quand même, moi. Eh, scope and turn. Bah, tout ça, c'est des gestes techniques 2015, ça. Toujours. Voilà, frère, il croit dans Viva Football, lui. Imbécile, hein. Imbécile. Regarde ce qu'il fait. Il m'a trop juste trop énervant. Frère, fais des buts, au lieu de faire des scores. Waouh, quand même. Ça rien. Oh, merci. Qui est au milieu, c'est un flexeur. Allez, une minute pour l'histoire. Oh, ouais, tu regardes. Non. On était sur le compte du contenu premium signé Markel. Son gros crâne. Ça va ou quoi, Yas? Salut YouTube, ça va? Ça va, tranquille, bah, ça ouais, va, Joël? On va acheter de la sape aujourd'hui. Où est-ce qu'on est? Aujourd'hui, on va trouver de la sape. On est à Harajuku. Harajuku, quartier des friperies, quartier de la mode, visiblement. Oh, le chien! Attends, mais c'est quoi ça? On dirait un beignet. C'est comme sûr. Dans Futurama. Futur la ref. Donc ouais, du coup ça ici c'est le quartier de la mode, de la friperie, de la sape. Ça c'est pas pour les et des cosplays aussi. Ouais. Et du coup, vu que vous avez franchi la barre des 5000 likes, on va commencer un petit peu à faire du repérage pour Joël et pour Zach. Et Mordinger ou... Le doux parfum de la science. Et arrête de me filmer près là. Tu dis quoi dans les déjà, dans les autres vlogs là? Attends, mais j'ai trouvé un truc pour cet épisode, on fait genre 7000 likes pour un truc. 7000 likes font un nouveau défi. 10 000 likes, je me déguise en cosplay luxe. Mais arrête 10 000 likes, cosplay luxe et moi cosplay Jinx. À 10 000 likes. Tu veux pas être en Caitlyn? Non, non, c'est Miss Fortune. En Miss Fortune? En Miss Fortune. Vas-y. Et tu te mets un décolleté là. Ouais. Ah, mais on est passé là en fait à pied. On est déjà. Genre, on est passé là? Oui, on est haut. Quand on marche à 3h du matin. Juste une question, Joël. Ouais. Tu l'avais pas déjà hier ce t-shirt? Mais ça se lave, tout du cul, va. C'était pas hier. Mais moi, je me change tous les jours. Y'a où t'es prêt, Yas? Y'a pas un jour où j'ai eu la même tenue, pas Yas, t'es prêt? Explique-leur que j'ai pas ramené beaucoup de sap parce que je vais ramener une deuxième valise. Hello. Que des sap. J'ai une valise, j'avais droit à deux valises. La première, je l'ai ramenée. Et la deuxième, elle est vide, complètement vide. Je vais remplir que de sap acheté ici. C'est qui le plus beau entre Joël et moi? Ça, faut que les joueurs répondent dans les commentaires. On parle de beauté, de comment fais, moi, beauté des... intérieure ou... Non, il est plus mignon, lui. Moi, je suis un vieux. Moi, je suis vieux, maintenant. En termes de mignonnerie? Moi, franchement, là, je fais des efforts. Je me change tous les jours. Je fais en sorte des douches apprêté. Ouais, je prends des douches et tout. Je fais en sorte d'être apprêté. Franchement, je fais des efforts. Ouais. Donc bon. Ah, quand même. En vrai, t'es bien. Ah bah là, t'es oui, bien, là, t'es frais. Franchement, je suis beau. Franchement, j'aime bien. Attends, je vais te faire des vrais plans. Encore? Ok. Et je crois que la dernière fois, j'avais ma braguette ouverte. Ah merde, voilà ça, tu l'as pas. Ah ça va, j'en ai pas. Non, franchement, là, t'es beau gosse. Ouais, merci beaucoup. Joël, là, c'est quoi tes plans, là? C'est de te faire un outfit? Ouais. Est-ce que les Japonais, ils t'inspirent un peu dans... Ouais, ils ont des flots. Dans la mode. Mais qui m'aimeront pas, en fait. Mais pourquoi tu dis ça, gros? Parce que les sables, c'est en fonction de la morphologie. Ouais. Et genre, si je m'habille trop large, ça met pas en valeur le fait que je sois costaud. Je te dis pas non plus de mettre un t-shirt à taille S. Mais moi je trouve que ça a plus de flow quelqu'un qui est musclé, mais qui porte un peu de l'oversize, des trucs amples. Attends, t'aimes bien quand c'est musclé quand non, tu vas chez un mec, tu découvres qu'il est musclé là. Hein. T'as capté, voilà, c'est ça. Parce que je trouve que ça fait trop flexeur quand. Mais moi, t'as je suis le bras qui est. Mais je suis un flexeur, qui tu crois. Qui respire plus. Regarde cette question. Moi, je suis un mec ouvert d'esprit. On va essayer d'avancer, tu vois. Ouais. De tester des trucs. Parce qu'ils ont des flows vraiment incroyables. Ils ont des styles vestimentaires qui peuvent paraître très excentriques.
Mais il y en a qui le portent très bien, tu vois. De toute façon, tu vas voir, vous allez voir, un peu mon flow, c'est un flow simple et efficace. Moi, je cherche pas à être à la mode, je cherche à me mettre en valeur. Ok. À m'optimiser. Et genre là, tu pourrais du coup conseiller Yas. Déjà, il met des jeans sautés là. Ouais, ça s'appelle des jeans carottes. Mais sinon, le haut, moi j'aime bien, c'est ouais. Cool. C'est sympa, c'est cool. La paire, normalement, elle est beige un peu, tu vois. Ah bah ça, c'est bon, c'est parfait. Non, moi je kiffe, c'est propre. C'est simple et efficace, tu vois. Ouais. Voilà. Moi, ça me plaît. Et moi? Tu vas juger. T'as un petit flou à la Denis Lamalice. C'est qui ça? Bah, allez, sur Google, t'as plus Denis Lamalice. C'est bizarre, toi, quand il y a pas Zach, je vais lui dire. Déjà, tes conneries, là. Mais j'aime bien. Mais arrête, t'es pénible. Happy Ending. Happy Ending. Happy Ending. Happy Ending. Tu te mets une patate, hein. À partir de maintenant, j'arrête de faire des gros plans sur ta tête. C'est ghetto, là, où on est, non? Ouais, dans une cave. C'est stylé, en vrai. Ah ouais? Et ça a l'air pas mal, Yas. Ouais, ça a l'air d'être. Franchement, ça a l'air d'être pas mal. Ça rejoint. C'est quoi, c'est de l'eau? Non, frère, c'est de l'avocat, bien sûr, c'est de l'eau. Je sais pas, peut-être c'est du jus. Alors, mon gars, comment ça va? On se détend avec les jeunes. Il y a la jeunesse. Moi, je bois un coca, mais faut mettre le bandeau. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, ouais, pour le coup, toi, tu bois un petit coca. Moi, je bois de l'eau, frérot. Moi, je bois que à l'étranger. Attends, parce qu'on a même pas encore été servi. Le frérot, il a déjà des pétlins, deux bouteilles. Il a ce deuxième baril. Oula, ça va, mon ref? Un baril. Non, mais sauf que pour toi, le problème, c'est que déjà une, c'est compliqué, alors deux. Oh, arrête. Sec. Alors et attends, fois, ce matin, t'as bu quoi déjà? L'autre fois, les trucs ce à matin, la pêche. Ce matin, il a plus la bière. Ouais, ce matin, il s'est pété une canette aussi. Les trucs de pêche là, j'en avais tabassé toute la journée. J'avais pas bu d'eau. Ah, toute là, la journée, j'ai bu ça. T'as bu la canette en entier? Non, il en reste quand même. Attends, parce qu'il avait dit, ouais, tu veux un verre, on partage. T'as eu une once de bière ou pas, Yas? Non. Ah. Non. Non. Mais... On est sous baril. À Tokyo, avec les copains. Oh, il y a notre riz. Oh. Thank you. Allez gâteau. Allez gâteau. Ah moi je voulais des baguettes, je voulais faire l'ancien. Ouais. Mais je crois qu'elle a vraiment capté qu'on était des touristes. Hein. Moi je commence. Là ça y est, je réalise de ouf qu'on est à Tokyo là. Ça y est. Ça y est. Pendant 3 vlogs j'ai dit ouais je réalise pas, là ça y est, je réalise. C'est pas trop. Ouais ça a l'air incroyable. Là, ça, là mon gars, ça a l'air beau. Oh le bâtard. Ah, moi, ça c'est moi ça je crois. Non c'est à moi mon ref. Qu'est-ce que tu racontes? On mange ton maïs, c'est pas tranquille. Ça coûte 600 yens. 600 yens, c'est moins de 5 euros, il me semble. Comme disait Aimé Jacquet, tu vois, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Non, excuse-moi, t'as fait une vanne, t'as rigolé tout seul, frérot. Eh, je crois que c'est. C'est le baril. Ça a vu le top 3 de tes artistes préférés. Playboi Carti. Ah ouais. 50 Cent. Ouais. Et. Moby. Usher. Moby. C'est pas Moby? Mais il est pas. C'est le chauve là, non? Ouais. C'est l'un de mes artistes préférés. Ah, je pensais pas que t'allais dire ça. Ah, je kiffe à fond. Après en 4ème, Gorillaz. Ah, je fais un top 5, je me permets. Et en 5, il y a beaucoup d'artistes que j'aime bien. Donc je peux pas te dire. Bah, du coup, top 4. Ouais, top 5. Ouais. Toi, Yas, c'est quoi? Artiste of all time. Ouais. Pour moi, numéro 1, parce qu'ils m'ont trop matrixé pendant mes années d'études, c'était les Migos. Ouais. Ils m'ont trop matrixé. Ouais. Trop fort. Je pense numéro 2, c'est Gunna. Ah ouais? Ah, j'aime bien. Numéro 3, en fait j'ai un top 5 moi. Oh, t'as des bourreaux toi en numéro fait. 3 pour moi c'est Young Thug. Et Young Thug, franchement, je le mets numéro 1 égalité parce que son album Jeffrey Will, il est exceptionnel. Mais pour moi, le meilleur de l'histoire. 4, 21 Savage. Toi, t'es resté en 2017 en fait. Ouais, vraiment. Mais frère, 21 Savage, il est trop fort. Ok, ouais. Non, on a vu la raison. Et numéro 5, là je vais me faire des ennemis. Mais en fait, c'est un mec que j'ai tellement écouté, je l'ai tellement saigné. Pour moi, c'est Caris, frère. Oh ouais, j'avoue. Or noir. Normal, le bruit de mon âme. Alors mon gars Joël, c'était bon? C'était trop bon. C'était régal. Yas. Très très bon, mais là le tonton il supporte pas là. Allez, voilà. Mais là Joël, ce soir on a un restaurant un peu huppé. Va falloir te relooker mon ref. Ça arrive. Tu sais un petit peu comment tu vas te mettre là? Ouais, chemise. Ouais, je prends petite pas chemise. De chemise. La sécurité, plat du pied, sécurité, chemise. Ok. Jean. Tranquillement. Ok. Deux accessoires. Pas besoin d'être dans l'extravagance quoi. J'aime pas les chiens comme ça, ça fait chier trop. Oula, lui il va. Ouais, je oh. Moi j'aime trop lui. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh non. Wesh. Trop chou le petit Joël. Trop chou. Eh vas-y, à chaque fois on va me prendre pour un junkie. À chaque fois, je fais un interlude où je parle des chiens. Mais les chiens, l'amour que le chien te témoigne, c'est réel frère. Comme je. Non mais c'est sérieux. Voilà, vous allez dire ouais, il est sous barre de manche. Allez gâteau. Tu peux le déplier pour voir? Hein? Non, déplie-le. Attends, je vais.
c'est maillot de quoi ça? Japon féminine. Ah ouais? Ouais. Il est un peu serré. Il est un peu serré, mais en vrai ça va. Ça va, ouais. C'est chaud. Il est énervé, hein. Franchement, il va bien. Attends. Beau gosse, hein. J'aime bien. Franchement, t'es beau gosse, Joël. Joël, t'es vraiment très très beau. Je t'aime, Joël. Je crois que c'est 100 euros par personne pour le faire. Ça se passe ou quoi? De quoi? Le quartier? Ouais. 100 balles, moi je te jure, je le fais. Ah ouais? Combien de temps? Bah en gros, je sais pas, genre en cas tu fais le tour de Shibuya et de Harajuku et de tout ça, en carte. Les gens qui déguisent en Mario et tout. Mais gros, mais moi je le fais pour 100 balles, c'est un souvenir qui garde la vie. Ah mais en fait, regardez. C'est incroyable. Les rois, regardez-moi ça. Nous sommes actuellement à la station de métro du Saitama Stadium, juste avant la finale de Ligue des Champions Asiatiques, Urawa Reds contre Al Hilal. Regardez tous les Japonais qui arrivent. Il y a également la boutique dans le métro pour pouvoir acheter des trucs, des références, Olivier Tom et tout. Ah non, les gars, c'est vraiment la folie. Et je pense que je vais acheter un maillot, hein. Un petit maillot Urawa Reds, histoire de kiffer, se mettre dans l'ambiance. Mon gars Kélian, c'est censé être du 3XL, bon. C'est du 3XL japonais. Ouais, c'est ça. Ça me va, tu penses ou pas? Franchement, tu devrais l'essayer, mais je pense que ça va. Tu penses que je vais essayer comme ça? Ouais, je pense, hein. Genre par-dessus le t-shirt. Ouais, par-dessus le t-shirt. Ouais, je pense que ça se tente. Ouais, franchement, pas mal, hein. Impeccable. La seule chose qui a galéré à passer, tu sais quoi? C'est ma tête. Dans le col. Ouais, bon, ouais, sinon, on valide? Totalement validé. On achète. Les amis, regardez un petit peu tout ça. Nous sommes en route pour le stade. Avec tout le long plein de photos, mais le truc au fond là il y a une grande banderole. Du coup, ça y est, on a le maillot, on s'est imprégné. C'est grosse ambiance, on m'a dit. Urawa, la meilleure ambiance du Japon, c'est des tribunes debout. C'est... Oh là 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 là, c'est très sympa. On peut croire que les Japonais ils sont un peu timides ou quoi, ouais. Apparemment, dans le stade, c'est très sympa. Et ben, on va aller voir tout ça. On a des bonnes places pendant que tout le reste est en train de faire une autre journée. On est devant le Saitama Stadium, stade qui a accueilli la Coupe du Monde 2002. À l'époque, il était au Japon, en Corée du Sud. Regardez, et pour un stade qui a plus de 20 ans, franchement, il a une bonne gueule. Bon, en même temps, il y a tonnes de stades qui ont plus de 20 ans qui ont des bonnes gueules. Mais là, vraiment, c'est impressionnant. Il y a des Japonais et du rouge partout. Bon, on s'est imprégné, vous l'avez vu, on est plutôt pas mal. Et je pense qu'on va vivre un sacré match, on a hâte de voir ça. Franchement, je suis grave hypé. Pouvoir dire dans sa vie que t'as fait une finale de LDC asiatique, c'est pas rien, hein. C'est pas rien, les gars. Joël, c'est quoi les bails? Qu'est-ce qu'on ça fait? Ça se passe. J'ai le maillot. T'as acheté le maillot? On a été un peu pris de court, on s'est un peu arrêté et tout, donc on n'a pas pu aller au bout de notre projet. De c'est-à-dire trouver les cosplays. Mais ça, c'est pas grave, demain on revient le matin. Ouais, c'est ça, demain on se lève tôt et on y retourne. Ça doit être ça, ouais. Le matin on se lève tôt. Mais en fait, voilà, elle a mal parlé. Il n'y a pas un monde de quelqu'un sort de la maison avant. Je suis une SMIP. Ça finit comme clope. Si je suis à 11h30, on n'est pas parti. Ouais, après, c'est si toi, t'es pas parti. Si après, les autres, ils veulent rester. Si lui bouge pas. Ouais. Mais tu viens, toi? Moi, je viens parce que, en fait, là, ce soir, du coup, on va dans un resto un petit peu chic. Ouais. Et du coup, Joël, on a voulu faire une friperie pour. Ou en tout cas, des magasins pour qu'ils trouvent des trucs. Il y avait rien. Moi, j'ai trouvé, mais Joël, lui, il voulait pas, en fait. Non, est-ce que. En fait, j'ai un problème. Moi, les jeans trop larges, c'est pas mon délire. Des boutiques qui sont pas abordables pour tout le monde. Génial. Ouais. Non mais même moi gros je gagne vraiment des sous si je veux trop la flemme d'acheter ici quoi. Ah oui. Bah ouais frère. Tu as acheté un truc 1000 balles. C'est un truc de clochard ça, genre tu sais les mecs qui gagnent des 5-6 000, ils mettent des trucs, ils achètent des trucs. Bien sûr. C'est rien frère. Acheter chez H&M, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Le drip c'est pas une question de prix, c'est une question d'équilibre. Et un état d'esprit aussi. C'est un état d'esprit. Le drip c'est une question d'équilibre. Voilà. Il y a des mecs qui mettent des manteaux à 400 euros et ils ressemblent à des pommes de terre. En fait, le but, c'est pas d'avoir les habits les plus chers possibles. C'est d'être drippé et comme a dit Joël, faut semer le doute dans la tête de l'ennemi. D'accord. C'est-à-dire, exactement. Grippez-vous de manière à ce que vous pensez que voilà, vous êtes en place. Si t'attends d'être riche pour dripper, tu vas peut-être jamais dripper, mec. Voilà.
Joël, y'a un problème? Moi, les trucs trop formels comme ça, ça me casse les couilles, gros. Ouais, par contre, moi aussi, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, mais par contre, c'est quelque chose à faire. Quand ils vont avoir la viande en bouche, ils vont arrêter de chialer. Ce qu'il y a, c'est quel bâtiment où on doit y être? On va à ce bâtiment-là, 42e étage, on va pleurer devant le sushi, mon gars. D'ailleurs, oublie pas, hein, tu me dois de l'argent, non? Moi, je pense que... Je te donne l'argent, toi. Je m'en rappelle pas, moi. Ouais. Ah, ou le taxi? Ouais. Je te dois le taxi. Et les petites prestas à côté? Ah ouais. Ça va ou quoi, toi? Bah moi, ça va, mal, en fait. Tranquille. Tu vois, j'ai arrêté de faire des gros plans sur toi. Ouais, tu vois. Parce que tu cherches à me nuire, en fait. Non, même pas, frérot. Là, t'es frais et tout. Non, je suis pas frais, je suis keto. On dirait que je suis en bas de... On dirait que je vais marcher. Mais là, ce soir, t'es aigri, Joël, un peu. Et Joël est manchon. Non, alors c'est faux. C'est juste que j'ai dit, moi, alors moi, les restos où vous faites formel, avec du violon, et des gens costards, c'est vraiment pas vrai. Ouais, mais il va aller au point B, quoi. Ouais, voilà. Là, tu vas aller à Chamastacos, pour un 3 viandes et... C'est qui la Chamastacos? Elle se veut Chamastacos, mais moi, le Chamastacos, j'ai jamais, c'est la plaine. Fin du match. C'était comment l'ambiance, mon frérot? Franchement, un des meilleurs matchs de ma vie. C'était exceptionnel. Incroyable. Urawa qui gagne en s'étant fait dominer une bonne partie de la rencontre sans manquer cette grosse occasion. C'est important de le dire quand même. Et voilà. On se retrouve avec les autres au restaurant. On reparlera de ça. Là, on va dans un restaurant un peu classe que Mitsuki nous a conseillé. Ça va être lourd. Les gars, si vous avez des trucs à poser, c'est... Oh là là, ah non, là, c'est tout de la pizza. C'est quoi, ça? Alors, je suis... T'es bien là, Yas? Bienvenue chez moi. Donc, je fais rentrer. Ouf, faut retirer les chaussures et là, c'est le moment du drame. Là. Non, par contre, mais gros, je te jure, mes chaussettes, c'est bon parce que j'ai une chaussette trouée à l'arrière. Regarde. Joël, après j'ai piqué ta place, je vais faire une photo de légende. Eh, je sais que ça vous aimait bien les infailles. Oui. Mais en fait, j'ai un peu honte d'être là parce que, en gros, moi, ils nous ont prévenu, moi et bah, toi et moi, qu'on devait aller dans un restaurant un peu chic. On était déjà quasiment sortis. On était sortis. Ouais. Et c'est un restaurant chic. Regarde comment je suis. J'ai un mode foot, un joli, on a fait les magasins pour essayer de trouver des trucs. Ouais. Moi, les amis, on se retrouve dans un restaurant d'exception. Mitsugi nous a fait un conseil. Oh, tu rigoles. Tu fais trop le gastronome. T'as fait grand, on se retrouve dans un resto d'exception. Il t'a pris ton truc, tu l'as mâché vraiment. Ouais, mais à vous, c'était bien fait. Ouais, c'était bien fait par contre. Bah oui, gros. Ça, c'est la crème, c'est quoi? Radis blanc et surimi, je crois, au milieu. Je crois. Joël, est-ce que tu peux leur dire où est-ce qu'on est? Dans un resto très très classe où on est en mode ghetto. Malheureusement. T'es arrivé avec le compte du Japon? Tu as acheté combien? 67 euros. 63 euros. Non, plus sérieusement, on est dans un bon restaurant conseillé par Mitsugi. Et vu les réussites des vlogs, etc., je me suis dit on allait envoyer toute l'équipe dans un truc assez cool. Donc, on va découvrir ce que c'est de se faire cuisiner par un chef. Et c'est la folie. Joël, tu peux ouvrir un petit peu ce que tu... Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches derrière? C'est chelou. C'est quoi? C'est des moules? Non, j'arrive pas à te décrire. On se de la salade. Vas-y, prends une petite bouchée pour... C'est Guyo. Il a un mélange de saumon et de fromage avec une sorte de feuille. C'est pas incroyable. Et toi, c'est quoi, mon ref? Une sorte de soupe. Ouais. Regarde, tu vois la texture là? Ouais. En fait, regarde. C'est profond. T'as saisi? En fait, il y a une espèce de couche blanche en dessous, comme de la gelée. Ça a l'air vraiment. On dirait qu'il y a de l'œuf en dessous. On dirait qu'il y a de l'œuf en dessous. Ouais, c'est bon. Vraiment, les amis, il y a Mitsugi qui nous a conseillé. On est au 42e étage d'une tour. Un bonheur. Vraiment, le voyage au Japon se passe super bien. On s'est dit que là, ce soir, je me suis dit, je veux qu'on fasse un truc un peu d'exception. Ça va, tu kiffes, Kenyon? C'est ce que je dis là. Si j'arrive pas à manger avec les baguettes, je suis pas débile. Sans déconner. Il faut manger la feuille avec. C'est un. Ouais, mais j'aime pas du tout. Yas, c'est un queue. Yas, pitié, fais pas le paillot. Mais pourquoi t'enlever le fromage?
Mais non, mais c'est que j'arrive pas à manger avec la baguette. C'est la première fois où je fais un voyage de groupe où ça se passe parfaitement bien et tout, tu vois, c'est carré. On va encore parler argent. On va parler oseille, ça va mal se passer. D'ailleurs, le temps est parfaitement rentabilisé, tu vois. En fait, même si on se lève parfois tard, mais quand je te dis tard, il y a un jour on s'est levé à 15h, ok, c'était mal. Entre guillemets, c'est mal, quand tu vois, c'est pas bon. Mais nous, quand on se lève tard, on sort, on fait des trucs, on visite, quoi. C'est ça, là. Alors que quand t'es en groupe, souvent, et je pense que là, ça va leur parler, quand t'es en groupe, t'as souvent la tentation de... Ah, vas-y, c'est pas grave, on reste à la maison, on fait rien, on traîne et tout. Là, chaque jour, on essaye de... Même si on n'est pas tous ensemble, par exemple, toi et moi, on était partis avec Yass, dans un coin d'autre. On a notre aussi expérience perso du voyage. Et ça, c'est lourd. Ouais. Je débite, je suis désolé. Ouais, tu rappes vite, hein. Tu dis les termes, Joël. Franchement, déjà d'une, c'est magnifique. Et t'as dit, attends, ça se passe mal avant qu'on parle argent. Mais c'est tout qu'il n'y a pas de liquide, et c'est à toi que je t'ai donné des billets. On va parler argent, tu me dois de l'argent, ouais. Mais c'est qui, il a pas tort. Ah, pas de soucis, mon frère. Je suis content que tu sois là. Regarde le cadre, je suis avec nos copains, je suis avec les amis, sauf. Bon, il y a Kevin Garcia, mais bon, il va pas être bien. C'est vrai qu'il y a Kevin et il y a Hugo, on les aime pas trop, mais après, le reste, ça se passe, tu vois. Et en dehors de ça, franchement, je suis content que dans la vidéo vous ressentiez qu'on est content d'être là. Et franchement, ça fait pas chier. Tous les jours, on fait des trucs, on fait des trucs énervés, on utilise bien le voyage. Et... Ça change les États-Unis. Les États-Unis, c'est des villes de merde, on peut rien faire. Alors, ouais, je dis, tant que là, on peut faire plein de trucs. Mais peut-être une prochaine étape, ce sera peut-être New York, qui sait. Montréal. OMG Leak. Pour faire les Canadiens. Eh ben. Là, il y a 15 tournées de ça, là. En fait, je vais être avec vous, c'est un repas en 15 étapes, on appelle ça. 15 courses. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ouais. Et là, on est à la course encore dans les entrées. Course 4. Regardez ce ton. Waouh. Ça a l'air d'être vraiment incroyable. Regardez-moi ce ton. Joël, goûte ce ton. Et dis-moi ton avis. Le ton, il est noir. Goûte ce ton et dis-moi ton avis. Et mets-le dans la sauce. C'est bien. Ouais. Mets-toi dans la sauce, mon ref. C'est le meilleur ton que j'ai goûté de ma vie. Ce ton-là. Tu veux que je la Alors, comment je vais te définir ça? C'est puissant comme un steak haché, bien cuit. Ouais. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Et je lui ai demandé, ça se graille comme ça, et il m'a dit attends. Il arrive à du riz. C'est un riz? J'ai jamais goûté ça de ma vie. Ah ouais? On dirait une chips. C'est magnifique. Ah ouais? C'est exceptionnel. Hey Joël, t'as dit quoi sur le poisson? Sans faire le bandeur ou quoi que ce soit. De toute façon, ceux qui sont venus ici vont comprendre. Moi, j'aime pas le poisson de base. Toutes ces conneries. Mais là, le Japon, sont en train de me réconcilier avec le poisson. Le problème, c'est que quand on va rentrer en France, t'auras pas cette... Ça existe, tu vois. Mais faut payer une blinde pour avoir du poisson si frais, tu vois. Yes. Ça, faut manger tout. Alors ça t'as à ta droite, regarde, des sortes de condiments, x4. Tu peux mettre du sel et du citron dessus, et après le graille. J'aime ni l'un ni l'autre. Eh ben, mais... Non, mais repose-le et mets. Mais wesh, mais t'es un rustre, toi. Ah, t'es ni le sel ni le citron. J'ai cru que t'étais un rustre. Sinon, il y a la sauce. Ça, ça se one-shot, avec la sauce. Tu kiffes, Alex? Tu peux mettre sel, citron. Ça, je prends du sel. Ouais. Okay. Citron, et tu peux y aller. Et t'avales. Je mets pas dans la sauce. Non, non. Okay. Et à droite, c'est du bœuf de Kobe. Non. Bœuf de Kobe. Du bœuf de quoi Kobe, mon pote? T'as pas envie de lui casser la gueule? Non, non, non. Comment j'ai plus faim là? On va commencer à l'insulter, on va perdre patience avec ces deux. Même moi qui aime pas. L'artichaut. Ah bon, c'est l'asperge. Ah, c'est l'asperge. C'est l'asperge frite. C'est trop bon. Ils ont cette faculté sans faire. Arrête de faire des éloges, sinon on va le traiter de sûr dans les commentaires. Au pire, fais des éloges en étant sûr de toi et sans avoir. Moi, je suis en sous-sûr. Voilà. Voilà le retour de Jarod. Regarde, frérot, tout ce que t'as rattrapé. Bah écoute, tout ce que t'as rattrapé là. Eh ben allons-y, hein. Manger proprement. Bon appétit. Bon, en vrai, moi, l'ambiance, moi j'aime pas, c'est trop strict. Tiens, mais c'est comme ça, tu vois. Mais la bouffe, c'est un truc de fou. Jarod, tu te régales, mec. C'est excellent. Regardez tout ce qu'il doit rattraper. Parce que tu dois rattraper full taf, hein. La batterie que t'as m'a fait une dinguerie. Eh vas-y, chaque fois je vais être sous baril, il va me filmer. J'ai peut-être la tête de. Attends, vlog normal et tout, t'es sous baril. Mais frérot, c'est ça aussi, c'est tu là. C'est tu là, gros, les vlogs, on est transparent. Genre, on peut pas jouer un rôle, c'est pas possible. Tu penses que t'es sobre combien de temps en moyenne dans les vlogs? Quand je dors. Allez, gâteau.
quoi. Les frères musulmans qui sont parmi nous, je trouve qu'ils mangent bien. C'est parce que le bœuf de Kobe il arrive pour vous. Mais si on aimerait un peu de poisson. Oyas, il fait l'effort. On aimerait un peu de poisson nous aussi quand même. Tu vois, le poisson, leur poisson est bon. Ouais, c'est vrai ça. Non, je te jure, le poisson frit, j'ai trop un problème avec ça. Ah ouais ? Mais c'est pas pour faire une grille, mais c'est. Franchement, en termes de nourriture, je suis ouvert à plein de choses, mais le poisson frit, c'est la malie. Non, ça qui ça ? Bon, je suis content, je suis content. Non, là, je m'excuse de ouf. Et Yas, depuis le début, il ne mange rien, il aime pas le poisson. Il y a le bœuf de Kobe, il l'a pas aimé, parce qu'il a goûté nature. Ils nous servent des sauces et tout, et il mangeait sans sauce. Non, là, je m'excuse. En fait, là, j'ai pris avec la sauce. Avec la sauce, il y a des. Là, je m'excuse de ouf. Pardon le Japon, franchement. Je commençais à douter, mais là. T'en as pensé quoi de ce bœuf, mon Joël ? Hein ? T'as mis les deux sauces ? Mets la deuxième sauce, c'est bien. Désolé, je mange un peu dégueulasse. Vas-y, vas-y, au calme. Tu vas non, seul, faut faire seul. Oh non. C'est bon, tout ouais. Non, mais lui, il préfère Shamas Taco, ça, ça. Oh là là. C'est quoi le problème, Zach ? Alors, c'est une Saint-Jacques. Frit. Le haut est mou, le bas est dur. Hashtag analyse, il y a une coquille. Attends, Yas, t'as l'air de te régaler. Mais non, Yas qui mange un truc. Mais gros, c'est trop mou. Et donc, du coup, faut pas croquer dedans ? Non. C'est sûr. Je peux pas manger ça, genre comme The Kairi quand il mangeait une pastèque dans la baignoire. Mais sauf si t'as envie de t'éclater. Non, yes. Il faut ouvrir doucement. Non, mais c'est de la frappe atomique, ça. Vas-y, il est en train de me choper. Du goûter, Joël ? C'est un kiff, toi. Mais depuis tout à l'heure, on l'entend lui derrière, en train de grogner. La Saint-Jacques est exceptionnelle. Oh, c'est exceptionnel. Ça, c'est du très très haut niveau. Là, je kiffe de ouf, là. Je kiffe ma race. C'est pas pour les enfants. Là, je kiffe ma race. Moi, je suis trop heureux. J'ai tout mis dans. Joël, il va tremper ça, son dessert. Les gars, il n'y en avait plus. J'ai tout mis. Je vais pleurer. Mais il est mystique de fou ce plat là. Il est bizarre, on dirait que c'est du cristal. T'as vu, t'as des nouilles en diamant, j'ai l'impression. Ouais, mais ça c'est lourd ça. Tu connais ? Ouais. C'est du tofu le carré blanc ? C'est chaud ça. T'en veux ? Non merci. Vas-y, goûte Joël. Moi je vais manger un petit gâteau. Vas-y, vas-y. Les chiffons là. Qui s'envoie une petite lampée ? Non, je vais tomber par terre. Ouais, là, de faire ça avec des nouilles, frérot, là, c'est criminel. Hein. Pardon. Franchement, pardon. Mitsuki nous a dit, les sushis, il faut manger le poisson à l'envers pour l'avoir sur la langue, histoire d'avoir le vrai goût. Oui. Et il a dit, la sauce, faut la mettre sur le poisson, d'accord. Pas sur le riz. Donc, Joël, il retourne tous ses sushis pour pouvoir, jusque pour les prendre avec la baguette et mettre le poisson dans la sauce. Sauf que ce paillot, il n'y arrive pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la sauce comme ça, puis il l'a mis sur la riz, sur ses sushis à l'envers. Puis ensuite il a mangé comme ça. Ouais, mais c'est pas grave. Bah non, parce que du coup t'as mis à l'envers c'était pour rien, et t'as quand même mis la sauce dans le riz. Donc, il n'y a plus aucune valeur ajoutée. Ouais. Après ça, mes sushis ils avaient que le goût de la sauce. Ils avaient que le goût de la sauce. Donc il avait ni le poisson sur la langue, ni la sauce correcte, rien, zéro. Mitsugi, il avait envie de mourir. Oh là là, va jamais s'arrêter là. Bœuf de quoi couper et tout. Non mais toi. Eh moi je suis là pour ça. Ouais, I'm here for this. Pour report. Hein, comment on met le gingembre sur les sushis? Tu manges après, en fait, tu manges le sushi. C'est pour te rincer la bouche. Et en fait le gingembre ça reset le goût. Et c'est bon? Ouais. Bah, c'est trop bon le gingembre. Bah écoute, le gingembre tu verras, c'est trop bon. Tout dépend. Est-ce que je fais la technique Joël, je mets à l'envers les sushis puis la sauce pas ouais, comme ça. Je pense, je fais ça, le mec il vient, il me met. T'as vu le tacle que Ronaldinho il prend dans la pub? Dans la pub de Vila Bonito au Brésil contre Portugal par l'arbitre. Il vient me mettre ça, gros. Là, t'es rien de la chair. Quelqu'un de l'extérieur. Non, mais rien avec les baguettes, rien avec les baguettes. L'animal, ils l'ont tué avec un mot. On rigole, hein. Mais je crois vraiment qu'il a dû tuer après. Ouais. Il n'y a pas longtemps. Les poissons, ils ont été pêchés aujourd'hui, oui, ou cette nuit. Là, il y a 10 minutes. Technique Mitsugi, à l'envers. Et. Ah frérot, ouais, tu es pité, ouais. C'est quoi ce poulet? Il y a du oiseau. Qu'est-ce que tu insinues? Ouais,
C'est le meilleur sushi que j'ai goûté de ma vie. Ah ouais? Vous allez avoir du bœuf de Kobe, mais il est là. En fait, le plat il est à 120 balles. Le meilleur que j'ai mangé de ma vie, c'est exceptionnel. Tout est bon. C'était marqué. C'est tellement bon que j'ai même pas envie de goûter les sauces qui ont l'air extrêmement bonnes aussi. J'ai peur que ça détruise le goût du plat. Exceptionnel. Hein? T'as plus rien là? Ah voilà, j'ai goûté un peu, mais tu vois, j'ai l'impression que ça m'a. T'as plus que goûté là, t'as terminé ton repas là. Moi je goûte aux deux, moi. Lâche la baguette, tout ça machin. Mitsugi a dit faire à la main, c'est pas un truc de paillot. Tu prends à la main, tu fais comme ça, tu mets juste une petite partie et tu l'envoies avec le poisson sur la main. Franchement, je pense que tu vas prendre l'autre. Non, mais on a dit le poisson, mais. Ah bon? Mais ta technique. Mais t'es un rustre, frère. On est où, mais. Ton prochain resto, on va au kebab. Non, mais toi, la prochaine fois, vraiment, je te ramène, je trouve un kebab. Toi, tu sais quoi, avec ce que tu viens faire lundi, tu fais la journée père pauvre. Tu prends, tu mets un petit peu le poisson. Mais nique ta grand-mère, mais. J'ai envie de te boxer là, tout de suite. Donc, tu prends le sushi, tu mets un petit peu le poisson. Un petit peu. Le poisson, pas le riz, inverse. Voilà. Dans la sauce. Non, après. Et tu mets le poisson sur la langue. Le poisson sur la langue. À l'inverse. Voilà. Et tu manges. Mais tu as remis le riz. Mais tu sais, vous me faites chier, moi je vais manger mon sushi aussi. Non, par contre, c'est bien frappe. Je pense que. C'est comme des trucs avec le vin, en vrai. On dit sa mère. Il vient de me servir une soupe, je pense qu'elle a été. Il y a les autres Fukushima dedans. Non, je suis là, c'est une bombe atomique. Ouf. Avec tout le respect. Sans. Comme ça. Ouf. Non, mais en vrai, no fake, non, attends, mais ça a l'odeur. Non, mais les gars, ça a l'odeur, mais pas le goût. Vas-y, Alex. Sans cette soupe miso. Attends, je suis un trou de balle ou je dois mettre mon nez dedans? Ah. Ah, ça sent bon. Moi ça m'a atomisé aussi. Attends, fais un test Covid-19 quand même avant de repartir en France toi. Ah chant mais vite fait, mais c'est trop bon. Tiens, Joël, sens. Comment? Ouais. Bah c'est le soupe miso quoi. Ouais, ouais. J'avoue. Vous aimez ça? Zach. Oui. Du coup t'as bien mangé? Ouais, bien sûr. Ouais, c'était magnifique. Très content. En fait, avec 15 courses, t'as du bon et t'as du moins bon. Il y avait genre 10-12 trucs très bons. Et le thé? Et 3-4. Est-ce qu'on peut parler du thé vite fait? Pour être honnête, le thé, c'est l'eau des pâtes. On va pouvoir après passer le reste de la soirée ensemble, mais c'était un petit plaisir de faire un petit truc un peu classe et tout ensemble. Ça t'a plu, Yass? T'as pas mangé la moitié des choses? Non, bah franchement, j'ai kiffé surtout le bœuf. Tu prends le bœuf qui me file l'écran de thé. Toi Joël, t'es content du resto ou pas? Ça va, juste c'est trop strict, mais ça va. Toi bien. C'est trop strict que t'es un peu, non? Oh là là. Ils sont simples, mais ils sont trop simples. Mais... Merci d'avoir regardé la vidéo, et bientôt la prochaine. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez. Bonne vidéo.